vie du père Germain est une anthologie d'engagement et de courage. Avec les 1037 compagnons de la Libération, qui, voilà 80 ans, ont relevé la France de l'abîme, il forma un ordre fraternel, une phalange de l'idéal. À l'aube comme au crépuscule, il fut le dernier à rendre les armes. Résistant de la première heure et ultime héros de ce cercle de combattants désormais disparus. Déraciné par les pérégrinations d'un père général en Syrie et en Indochine, du père Germain n'aimait rien tant que de retrouver ses terres de la Drôme. Et grâce à sa jeunesse, à chercher la France partout. Sang. Ses frasques inquiétaient sa famille. Il était indiscipliné en tout. Une insoumission farouche qui ne se connaissait. Commence au printemps 1940. Aujourd'hui, passons l'éternité.